Ici, le petit beurre de piment d'Espelette. Ici, de l'huile bio, un petit d'olive bio de Tolède. Tête et pieds de cochon. Et sorbet, tomate. Tomate, oui, piment d'Espelette. Saint-Martin qui se trouve à Saumur, donc un nord de Loire issu de Chenin, de la fraîcheur pour commencer et de la légèreté. Ici nous avons la courgette, servie avec son crème glacée au basilic, son caviar de framboise et ses noisettes effilées. En accompagnement avec, je vais vous servir une crème anglaise au lait d'amande et au cardamone noir. Donc c'est le Haut-Rhin et c'est une cuvée avec une jolie acidité, à la fois il y a ce côté un petit peu oxydatif très légèrement. Qui vous est servi avec une émulsion à la tagette. Ce natif du domaine Bordachouria qui se situe à Ispour, à côté de Saint-Martin. C'est un voisin de premier vin que vous avez pu. Alors, qui vous est servi avec un jus de carottes crédues, gingembre, citronné, également sur le dessus un chiseau. Vous allez retrouver une huile de persil. Avec ceci, je viens vous verser une émulsion safran et pinot des Charentes. Bonne dégustation. Tempranillo. La Bodega Villard, c'est une grande exploitation parce que tout est très grand en fait en Rioja. De toute manière, il n'y a pas vraiment de petit domaine. C'est pas marqué par l'élevage. Si vous voulez, il n'y a pas de barrique neuve, donc c'est vraiment velouté sans avoir les tanins du bois trop marqués. Alors ici, le pigeon qui vous est servi avec une tartelette condiment piment doux et piquillos. Également ici, vous allez retrouver dans l'assiette principalement une raviole qui est à l'intérieur par-ci. Du pigeon confit. Vous allez retrouver également sur le dessus, c'est des feuilles de piment qu'on vient de travailler, comme des feuilles d'épinards également sur le dessus. Et je vous ai versé une feuille de pigeon en dégustation un peu comme des épinards. Ici, donc nous avons le crémeux au cognac, entouré de crème au cacao, la classe vanille et le caramel vanillé. Ici, je vous ai posé une mousse tiède, un chocolat et du cognac. Voici. C'est bien ça. Bonne dégustation. Merci. Et après, Je serais déjà guéri, je te ramènerai.
Figue rôtie avec tartelette frangipane, crème glacée à la feuille de figue, palais nougatine et jus de cuisson de figue. Vous êtes amis. Super. Merci. 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 Alors, vous pouvez ouvrir la petite clochette blanche pour retrouver le crème glacée au yaourt et green masala. Donc le masala, c'est une épice indienne, c'est un goût un peu de fenouil. Et à côté, infusion à la feuille de figuier. Voilà. Merci.